Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog pendant 2 jours avec moi. Nous sommes en France actuellement. Demain, nous allons à Disneyland Paris jusqu'au dimanche. Je voulais vous montrer un petit peu. Alors, pour Disneyland Paris, j'ai pris des petits serre-têtes en forme de Stitch. J'ai pris un petit sac chez Primark Disney avec Mickey. Je ne voulais pas prendre des vrais long fly. C'est ma deuxième fois que je vais à Disneyland Paris. J'y ai été quand j'avais 8 ans, donc ça date. Donc nous, ce qu'on va faire, on va regarder un film avec nos copains, car nous sommes à 4. On va regarder un film et nous, on se retrouve demain, car là, il est déjà minuit. Et puis, on va faire dodo. On va... Là, on va faire quoi? On va faire un buzz l'éclair.
On a été où là? Faire le labyrinthe et là nous allons faire Peter Pan. Pirates des Caraïbes. Là, nous allons faire la maison de poupée.
Désolée de ne pas vous prendre beaucoup. Là, nous allons faire l'attraction quoi ? Indiana Jones. Je sais pas quoi, c'est trop bien, c'est pareil. J'ai jamais testé. Regardez un spectacle du Roi Lion. Oh,
I must go now.
En 1992, une parade magique célébrant l'héritage de Walt Disney prenait vie en apportant de la joie et de l'imagination pour illuminer nos cœurs. In 1992, a magical parade celebrating the legacy of Walt Disney sparkled to life, bringing joy and imagination to shine into our hearts. Aujourd'hui, la parade revient. Today, the parade returns. Thank you.
dans le monde fantastique des rêves. And now, Disney Dreams.
il semblerait que tu sois pris au piège. Bienvenue à Paris, mon cher. La plus belle ville. Ne reste pas coincé dans ta bulle. Il est temps d'en sortir et de goûter à la vie. J'étais en train de vous dire qu'il pleuvait, qu'il faisait très froid, mais il n'y avait pas de son. C'est pour ça que je vous fais une voix off. Et c'est désagréable quand il pleut, on ne profite pas à fond du parc. Salut Céline! Hey, salut Cruz! Admirez les plus gros écrans de roue du monde! Ciao! A magnet this big! I must be dreaming! Pinch me, good! Ok! Les amis, il n'y a qu'un mot pour décrire cet écran. Vous devriez tous venir ici faire un brin de toilette. Rien ne vaut un bon vieux lavage naturel à l'ancienne. Un bon bain chaud. Attention, préparez-vous. Elle arrive. Et voilà. Rassage funèbre. Hey, quelqu'un a une raclette, une serviette que je me sèche. Ma dernière création, la tour.
Castor, qu'est-ce que tu fais? I'm always touching things. J'ai rien fait. Did you touch my magic transfer operator? Non, j'ai rien fait. Du calme, tout est sous contrôle. Magic production quality under control. Oh wow, look at the thermometer. Le révomètre. Oui, mais il faut power. Et le magiscope. Le volume est de 85 radibels. Parfait, tout va très bien se passer. Et voilà, encore à repasser. On se dépêche, nos visiteurs seront là 10 minutes alors. Our guests are already here! What? Bonjour! Hello! My name is Miss Mallet. Welcome to the Disney Junior Dream Factory! We are her crew! Vous vous demandez ce qu'est la fabrique des rêves? Eh bien! Oh! Wow! S'il te plaît. Mais oui, I'm Grand
vaincu. If someone laughs, you still follow your dream. Wherever it goes, it always works out. Nobody knows. Comment faire si j'ai peur de ce que les gens pensent? Still follow your dream et fais-toi confiance. Advice. And I think it's all true. I follow my dream, and voila, you can too. Just don't set your I got a fire.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Thank you all for helping me to understand. Merci les amis de lui avoir montré la voie. The Dream Factory can make your dreams come true. Oui, la fabrique des rêves a le pouvoir de réaliser nos rêves. If we all help each other, believe. Il faut juste y croire. Ensemble! Là, nous sommes à Paris. Désolée de vous montrer comme ça, mais je ne sais pas faire d'autres formats. Et désolée de ne pas trop parler, mais je suis fort gênée, mais après ça va. Bonjour, je vous reprends quelques jours plus tard. Je voulais vous dire de 1, je n'ai pas beaucoup parlé dans mon vlog et je l'ai remarqué quand je faisais le montage. J'ai vraiment pas parlé. Alors que d'habitude, bah, je parle quand même. Mais j'ai été choquée. Un primer correcteur de la marque Siglam. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que d'habitude, je parle un peu plus quand même dans mes vlogs. C'est comme ça. Déjà, j'étais gênée quand même. Je comprends pas le fait d'être gênée autant alors que d'habitude, je suis pas vraiment gênée. J'ai eu du mal à prendre mon téléphone ou filmer ou quoi. Mes 8 ans jusqu'à mes 23 ans, j'avais plus été des longues années. Je vais mettre le fond de teint de chez Catrice Cosmétiques, le Twin Skin Hyaluronique. Celui-ci. Avec un pinceau comme ça, de chez Siglam. Les deux parcs d'attraction étaient différents. J'ai aimé le Disneyland Paris, donc le Disneyland, il était bien. Je prends un Beauty Blender pour estomper. Comme je disais, j'ai vraiment adoré. Le studio était bien, mais petit. Je pensais pas que c'était... Je veux pas dire que c'était si petit, mais je trouve que c'était quand même petit que celui de Disney. J'ai vu qu'ils vont faire une nouvelle attraction de la Reine des Neiges, que le château d'Arendelle. Il est en travaux, donc je pense bien qu'on l'aura en 2025-2026. On verra bien. Mon attraction préférée dans le studio... La promenade avec le camion qui a de l'eau, j'ai beaucoup aimé ça. J'en ai deux. J'ai le Nemo et j'ai le Ratatouille. Le Ratatouille était super chouette. Quand on est rentré dans une pièce qui avait tout, du fromage, du lait et tout, en plus grand, je me suis dit waouh, c'est tellement bien fait. Avec les petites lunettes 3D. Rien à dire, je trouve que c'est l'attraction. Je vais mettre la note de 8 sur 10. J'ai vraiment bien aimé. L'attraction que j'ai aimé aussi dans le studio, c'est le Nemo. Après Nemo, je croyais que ça aurait été calme, un peu comme Peter Pan. Mais pas du tout. Non, pas du tout. Genre, j'étais avec ma copine et on était devant. On allait faire une petite balade, alors que pas du tout. Genre, vous avez une montée comme ça. Et finalement, bah, vous faites une attraction normale. Un peu de la sensation, mais pas vraiment de la sensation non plus, mais c'est quand même bien. Moi, je croyais que c'était quand même pour visiter les aquariums, un peu comme dans le dessin animé Nemo, quoi. Les décos sont incroyables. Et dans le Disneyland, j'aurais dû faire le contraire, faire le Disney d'abord. Et le Disney, ce que j'ai aimé comme attraction,
La première attraction qu'on a fait, c'était le Buzz l'éclair. Nul, mais quand je vous dis nul, c'est nul. Moi, je tirais n'importe où, alors que j'avais pas de points. Ma copine, qui faisait mieux que moi, avait plus de 2000, 3000 points. Je sais pas comment elle a fait. Peter Pan, j'ai bien aimé, c'était chouette, c'est très agréable. Pinocchio, parce qu'il faut savoir qu'on a fait 6 attractions le samedi, du matin jusqu'au soir, on a réussi à faire que 6 attractions. Je trouve que dans le parc de Disneyland, il faudrait 2 jours pour visiter le parc et 1 jour le studio, il y a vraiment largement assez. Il y a quoi d'autre? Je voulais faire le manoir, je ne l'ai pas fait. La mine, je sais qu'il y avait eu un accident. Elle n'était pas ouverte quand on a été. Ce que j'ai aimé à Disney, c'est les parades. J'ai vraiment bien aimé la parade quand on est arrivé. Il y a eu une parade l'après-midi. Le soir, on a eu le nouveau spectacle sur le château avec les drones. C'était trop bien. Bah, pour manger dans le parc, je trouve que c'est cher. Mais si vous voulez prendre vos pique-niques, bah, hors du parc, je crois, vous avez un truc. Par contre, on a fait Disney et le studio, mais je savais pas qu'il y avait Disney Village et on l'a pas fait ça. J'ai mis le Shape Tape de chez Tarte en teinte, le 22N Light Neutral. Le dimanche, nous avons fait le studio et le soir, vers 20h, on est arrivé, il était 21h ou 20h, je sais plus, on a été à Paris. Alors Paris, c'était beau, très très beau. On voulait faire un abonnement et mon chéri, ma maman s'est dit non, tout simplement parce qu'on a la petite et c'était compliqué. Le week-end qu'on est parti, elle n'a pas voulu manger. Elle mangeait pas beaucoup, elle était très 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 triste. Ma belle-mère nous envoyait plein de vidéos, plein de photos. Ma belle-sœur, c'est pareil. Elle n'était pas très joyeuse alors que d'habitude, elle est joyeuse. Là, c'est juste qu'elle est fatiguée. En fait, quand elle est seule, ben, elle reste calme. Quand elle est avec son frère qui est chez ma belle-mère, bah, elle fait la folle. On ira peut-être une fois par an, si on sait. L'abonnement le plus grand est à 700€ à peu près. C'est un très beau parc, hein. Franchement, ça fait rêver, ça fait très... Ça fait Disney, quoi, mais voilà, quoi. J'espère que mon vlog vous aura plu, même s'il n'est pas vraiment complet, que je parle pas énormément. On se retrouve mercredi à 18h. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des énormes gros bisous. Ciao !